Salut à tous les amis, c'est Vadim. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur BoomBeat saison 21, proto-saison, bim. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? Oui, on a ici la Zuka Vampire, machin, blablabla, normal, niveau 22 que j'ai. Donc, je vais vous en parler, etc. Alors, elle a, comme vous pouvez sortir, donc niveau 22, niveau max, 810 points de vie. Ok. Ensuite, dégâts par seconde, 120 et 240 par coup. Voilà, donc c'est le double, tout simplement. Et soin personnel partir, 810. Donc elle s'auto-soigne à chaque coup, en gros. C'est énorme. C'est incroyable. Mais on va comparer, parce que là, vous êtes en mode. Mais. D'accord, mais la Zuka, l'autre, elle fait combien? Voilà. En comparer, je l'ai pas niveau max, malheureusement. Je n'ai pas les chiffres. Désolé, je suis vraiment désolé. Mais je l'ai niveau 20. Donc très très proche. Et vous allez voir vraiment la grosse différence qu'il y a. Donc niveau point de vie. Donc niveau 22 ici, c'est 810. Ok. La Zuka Vampire. Pour la Zuka normale, c'est 248 points de vie au niveau 20. Ok. Voilà. Ensuite, niveau dégâts. Donc ici, on a 120 dégâts par seconde sur la Zuka Vampire. La Zuka normale niveau 20, 489 dégâts par seconde. Ok. Ou 489 pour les Suisses. on va en parenthèse. Ensuite, ici, on est à 240 dégâts par coup. D'autre côté, on est à 978 ou 978 pour les Belges et Suisses. Ok? C'est énorme, hein? Vous sentez la grosse différence qu'il y a? C'est un peu de malade. Et on va vraiment le sentir dans cette vidéo. Ça va être. Oh putain! Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont faites? Après, pourquoi est-ce que je l'avais dans la base principale? Donc là, je vais tout de suite le raconter. Parce que c'est méga intéressant. Tout simplement. Cette troupe, il me la faut dans la base principale. Il me la faut. Je suis désolé. C'est méga intéressant. Déjà, pour tout le monde, tu peux faire des tas de compositions en plus. Il y a des gens, avec cette Zuka, en fait, ils vont supprimer tous leurs statuts ou les stocker tout simplement leurs statuts de points de vie. Et ils vont mettre que des statuts de dégâts. Ça peut être génial. Non? Enfin, moi je trouverais ça. Moi je trouve que ces troupes doivent absolument être ajoutées. C'est la Zuka qu'il fallait en fait. C'est vraiment la Zuka qui manquait. Ah, elle est trop bien. J'ai vraiment rêvé d'une Zuka comme ça. Ah, c'est parfait. Elle n'est pas OP du tout. Elle fait concurrence avec l'autre Zuka. L'autre Zuka elle pose problème. Pourquoi? Parce qu'elle fait. Parce qu'elle a. Elle se soigne pas. Elle se prend les mines. Elle se prend des tas de dégâts. Elle est nulle. Celle-ci, elle s'en fout. Elle est une grosse bourrine. Elle a même pas besoin des gros bras. Mais ici, les gros bras font plus de dégâts qu'elle, ce qui est très drôle. Mais bref, vous allez voir ensuite, donc j'ai plus de gros bras. Comment vous faire les Zuka? Comment? Donc là, on va d'abord, évidemment, comme tout homme de bon sens, on un peu zap. Mais vous voyez comme les dégâts qui sont très faibles. Regardez combien elles sont. Regardez les dégâts, mais ils sont trop faibles. C'est abusé. Les Zuka normales, les auraient démontées en quelques secondes. Alors, ici, la petite différence, c'est quand même qu'elles sont plus rapides que les Zuka. Regardez, hop! Chaque dégât, hop, elle se soigne, elle se soigne, elle se soigne. Et tu peux leur tirer les 3 quarts de points de vie en un tir. Dès qu'elles font un tir, elles se soignent immédiatement. Elles sont incroyables. Boum! Et même le mortier ne fait rien contre elles. Il ne fait rien. C'est génial. Je les aime. Voilà, c'est les troupes qu'il fallait. Punaise. Trop content. Alors évidemment là ça les attaques vont prendre un peu de temps etc. Et là le problème c'est que j'étais assez vite en manque de gros bras. Parce que les gros bras sont un peu faibles. Alors ce qu'on peut tenter, on peut faire un petit truc comme ça. Oh, mieux. Full Zuka. Allez. Est-ce qu'on fait le délire ou pas? On le fait le délire. Allez c'est parti. Full Zuka, c'est parti. Full Zuka Vampire, excusez-moi. Et c'est parti, on va tous les démonter. Bim, on zappe tout ça parce que vous me faites un petit peu mal. J'aime pas avoir mal. Voilà, on est tous soignés. Impeccable. Tranquille, hein. Et regardez. Oh oui, tu fais mal, petit lance-flamme. Ah, peut-être le lance-flamme, c'est le pire, en fait. Non, le lance-flamme, c'est le pire. Parce qu'il continue à brûler quand même alors que tu te soignes. Ah ouais, le lance-flamme, c'est le pire. Ouh, j'ai quand même des Zuka qui sont mortes. Alors, j'ai pas utilisé. Je sais, j'aurais pu utiliser avant. Mais bref. Vous le sentez, et vous allez voir quand elles vont passer sur les mines. Mais elles s'en foutent, c'est comme si elles marchaient sur du beurre, bordel. C'est génial. Je les aime. Ah, peut-être qu'elles vont crever en fait. Ah merde. Non, elles sont. Il y avait trop de mines. Excusez-moi, il y avait trop de mines. Enfin bref. C'est bien, hein. On voit qu'elles supportent pas qu'il y ait trop de mines. Voilà, mais après.
elles ont quand même survécu déjà à deux mines. Donc, excusez-moi, mais les zoukas ne survivent pas à deux mines. Et hop, et c'est rempli. Dommage qu'il n'y ait pas de fusée éclairante pour que je dise aller attaquer la salle machine. Mais c'est pas grave, hein, c'est le principe. C'est comme ça que les gens construisent le base machin. On est qu'au début avec les deux bases, avec les deux seules machines. Je trouve pas ça très intéressant. Ouh, j'ai déjà perdu tout plein de zoukas là. Hey, j'en ai perdu beaucoup. Boum. Donc on est reparti avec ma compo de base parce que sinon j'ai plus avoir de Zuka et on va tous pleurer parce que la vidéo va être finie. Et on veut pas ça. Nous on veut continuer, on veut foncer. Ouais. Donc voilà, donc c'est le début, vraiment le début de saison. Et à mon avis, il y aura trois vidéos comme pour la saison précédente, il y aura trois vidéos ici. Et je suis content parce que j'étais assez ronchon sur la dernière vidéo, il me semble, où j'étais en mode, ouais, il n'y a pas eu assez de vues sur mon truc qui était long, c'est sûrement que ça vous a pas plu, je ferai plus jamais de format long comme ça. Et il y a tout d'un coup eu quelques vues qui sont rajoutées. Donc c'est pas ça. Donc je me suis trompé. Voilà, autant pour moi. Après, il n'y a pas eu de commentaires qui disent, hey, j'adore ce format. Bon, c'est un peu triste. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est toujours plaisir, c'est toujours cool. Ça motive méga fort, vraiment. Vous êtes les meilleurs, hein, ça, voilà, moi je vous motive, motivez-moi également. Allez, non, je rigole, allez, vous êtes vraiment les meilleurs de toute façon, quoi qu'il arrive, ceux qui me regardent sont les meilleurs. Ceux qui mettent les pouces bleus sont encore plus au-dessus, ceux qui s'abonnent sont encore plus au-dessus, et ceux qui commentent sont, enfin ceux qui ont tout fait en fait là, tout ce que j'ai dit, ben, ils sont les meilleurs. Meilleurs des meilleurs, les champions olympiques. Bim. Et je sais vraiment de gagner sur Boom Beach également. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme composition. Moi, c'est j'adore les Zoukas, là, punaise, trop bien. Attends, je vais peut-être faire ça. J'essaye de trouver en fait, hein. C'est nouveau. Donc, évidemment, qui a la meilleure composition, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas tout ça. Ici, vraiment, les fusées éclairantes sont manquantes, quoi. Mais c'est le principe, hein. C'est vraiment le principe de cette saison. C'est le principe, c'est vraiment enfin, de ce début de saison, d'obliger en fait à ce que tu. Enfin, c'est un autre style de jeu, hein. T'as pas de fusée éclairante, c'est beaucoup plus compliqué, hein, mine de rien. Parce qu'en gros, tu vas faire une base où le mec il doit faire le plus long chemin, tu l'obliges en fait, etc. Donc, comme lui il l'a fait là, donc bien joué à lui. Par rapport à moi c'est beaucoup plus simple. Ce qui est débile, hein, je devrais peut-être renforcer ma base au final. Tant ça, on va peut-être immobiliser parce que sinon j'aurais plus de gros bras. Et donc voilà, là elles sont toutes soignées. Elles ont marché sur une mine, c'est pas grave. Elles ont marché sur une deuxième mine, c'est pas grave. Hop. Vous voyez, c'est vraiment génial. Elles se soignent automatiquement, c'est un truc de malade. Elles sont vraiment géniales parce que elles meurent pas en fait. Là, en un coup de mortier, elles seraient mortes. Elles sont pas mortes. Pourquoi? Parce que ce sont des Zuka. Des Zuka, oui. Des Zuka. Génial. Vous pouvez également les appeler les soukas si vous voulez. Hein, je veux dire chienne. Pour ceux qui ne savaient pas. C'est pas très gentil comme mot, c'est pas très gentil. Ah, elle est morte. Elle a pas eu le temps de tirer. Bah voilà, mais fallait tirer. Fallait tirer. Elle t'a pas tiré. Bah t'as raté ton tir, voilà. Mais c'est drôle, voilà. Mais après la. Ouh! Je suis passé au rang supérieur. Ah bon? Nice. C'est cool. Bah c'est bien, je remporte des petits trucs. Alors on va juste un petit peu améliorer les mines. Et puis là on va garder les points qu'on a. Les mines, où est-ce que je vais les mettre? On s'en fiche un petit peu, hein. Hop, hop, là j'allais tous les mettre à côté. Voilà. C'est une petite ligne, voilà. De mines, j'espère qu'elles mâcheront dessus et qu'elles se feront tuer. Ah, je suis méchant, je suis méchant. Mais c'est comme ça, hein. Il faut qu'elles meurent. Voilà, les ennemis, il faut qu'elles meurent, hein. Mes alliés. Quand c'est mes troupes, faut qu'elles vivent, naturellement. Hop, on débarque tout. Et là, on va me dire, bah, tu t'es cru sur toute la Loire? Non, 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 non. Allez, hop, c'est parti, on immobilise tout ça. Zuka, fais attention à toi. Aïe, 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 aïe. Elles sont mortes, elles sont mortes, elles n'ont pas eu le temps de tirer, mais c'est quoi? Ouh, encore, mais. Arrêtez de marcher sur les mines. Oh, vous tuez vos amis, là. Vos sœurs, c'est pas gentil quand même. Maintenant, parce que vous marchez sur les mines, vous faites pas attention. Non, mais c'est quoi ça? Il faut aider, faut s'entraider quand même. Voilà, là c'est bien. Et vous voyez tous les petits soins là. Mais après, niveau design, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un autre.
Ça aurait été bien un autre design, genre je sais pas, rouge, tu vois, avec leur bazooka rouge. Ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. Tu vois, bazooka vampire, le bazooka rouge. Ah, petite idée hein, que je donne à Supercell, qui verront sûrement pas cette vidéo. Mais c'est dommage, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ce serait trop bien. Les bazooka vampire avec. Oh, peut-être des cornes ou quoi. C'est aucun sens. C'est aucun sens. Elles doivent avoir des dents. Mais vraiment, le bazooka rouge, tel, tu vois, référence au petit sang. Et du coup, leur bazooka qui tire et qui absorbe, tu vois. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme style ce que je dis, je sais pas. Hop. On fait encore 3 attaques, je pense, et puis on va arrêter parce que ça risque d'être long, et puis c'est toujours la même chose. Hein. Ce que je fais, c'est ça reste la même chose. Hop. Pom, 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 pom. Alors ici on va m'obliger parce qu'ils ont là pas mal de choses. Ici c'est pareil. Alors en fait les lance-flammes vont être très problématiques pour mes gros bras là. Hein. Ils font vraiment mal. Genre c'est vraiment horrible comment ils font mal les lance-flammes. Pour ça que je les ai mobilisés instantanément pour qu'ils se taisent. À jamais. Voilà. Mais le problème c'est qu'ils vont se réveiller en haut. Et ah j'ai déjà plus rien. Hein. Il n'y a plus de gros bras en haut, c'est sympa. En bas, j'en ai donc tranquille. Et voilà, ils sont en train de me les tuer instantanément. Ils se sont réveillés, bim, j'ai plus de gros bras. Incroyable. Ok, ça marche plutôt bien. Mais là, vous voyez, je m'en fiche. Enfin, je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de gros bras. C'est pas grave, tout va très très bien. Tout va très très bien. Voilà, il n'y a pas de gros bras. Et pas de gros bras et quoi? Tu nous as pris pour des faibles, c'est ça? Bah non. Vous êtes très fortes. Vous êtes trop forte peut-être aussi. Mais en termes de dégâts par contre, ouais. C'est pour ça qu'en fait tu pourrais faire un truc maintenant que je... Tu vois, tu peux faire un mix Zuka, Zuka Vampire. Stylé, non? Moi je trouve ça sympa. Après je sais pas, c'est assez natère en fait. Zuka et Zuka Vampire. Tu vois, c'est un truc... Ça te pose des questions, tu te dis, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Je trouve ça méga intéressant. Moi je dis il faut le faire. Moi je dis il faut le faire. Faut essayer. Enfin il faut qu'il le fasse quoi. Il faut que Supercell le fasse parce que ça a l'air trop intéressant. Vous voyez vraiment qu'elles sont beaucoup plus rapides. Hein, clairement. Enfin beaucoup. Un petit peu plus rapides. Ok c'est pas mal. On va prendre la première machine assez rapidement, puis après on va passer à la seconde. Je peux peut-être utiliser des trucs pour éviter de me faire tuer. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, les mortiers, ouais. Je sais pas s'ils font vraiment très... Les tons snipers font mal, hein. Ils font vraiment mal à mes gros bras. Oh là, le lance-flamme sert à rien, il est pas haut niveau. Il n'est pas une base max, donc c'est pas un problème. Hop. Ok, on va prendre la première salle de machine assez rapidement. Donc ça, c'est bien. Voilà. Il faudrait passer à la seconde assez rapidement aussi. Mais regarde tout ça, regarde toutes ces zookas là. C'est un truc de malade. Mais en fait, non, ce sont des zookas vampires. Et du coup, elles sont faibles en attaque. Et du coup, ça ne fait pas grand-chose. Et hop là. Magnifique. Après ça, une dernière attaque, évidemment. Mais là, je perds, par contre. Ah, je suis en train d'être contre des plus hauts niveaux, donc c'est un peu plus complexe, effectivement. Ouf. Là, on va mettre des zookas, hein. Voilà. On est reparti. Parce que je risque de perdre beaucoup de gros bras. Ouais, on va faire le truc d'avant. Ça avait bien marché. Votre adversaire a lancé une attaque, c'est bien. Hop, on immobilise. Ça, c'est la dernière attaque. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et de vous montrer les zookas à quoi elles ressemblent. J'espère qu'elles vous ont plu ou. Enfin, dites-moi. Enfin, ce que vous en avez pensé des zookas. Voilà. Si ça vous intéresse également d'en avoir sur la base principale ou non. Tout simplement. Moi, vraiment, je suis vraiment pour. À 1000%. C'est vraiment intéressant. Après, la question également à se poser, c'est. Sur quel QG seront-elles disponibles? Oui, je peux juste répondre oui parce que je ne sais pas ça, j'avoue, je n'y ai pas pensé.
Désactivé. Disponible au QG niveau 24. Hein. C'est tout dernier, il me semble. Ce serait très drôle. J'attends le QG niveau 24 pour débloquer, c'est trop. Mais en vrai, tu peux le mettre au QG 20. Hein. Voilà, je dis pas ça parce que je suis au 21. Non. Non. Pas du tout. Évidemment que c'est pour ça. Non, je rigole. C'est juste parce que je sais pas où elle est placée. Je vois pas du tout. C'est pas des fortes troupes non plus. Donc on peut les mettre genre, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, voilà. Donc moi je dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à donner votre avis en commentaire. Je lis tous les commentaires. Ça me fait plaisir. Bouh. Ah, il y a un petit oiseau ici. Tout, 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 tout. Voilà, voilà, j'avais pas vu. J'ai vu maintenant. Proto-saison d'ailleurs, pourquoi à mon avis? Parce qu'il y a des proto-troupes. Oui, bah oui. Faiseur de pluie, effectivement. Ah, dégage-toi, arrête. Oui, alors, c'est tout? Il y a ça aussi techniquement. C'est une proto-unité. Il y a le mecha, ok. Ah, d'accord. Donc, c'est clairement, on a appelé cette saison pour le faiseur de pluie. Ok. Ils ont appelé vraiment. Ah, mais non. Fallait appeler cette saison vampire saison. Voilà comment il fallait l'appeler. Oh là là. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment partager la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner. Ça me ferait également plaisir. À mettre un gros pouce en haut. Ça me ferait également plaisir. Enfin, bref, tout me ferait plaisir. Portez-vous bien. C'est la chose la plus importante dans ce monde. Abonnez-vous. Allez, ciao.